And I... Love A Sherami Munra e Filiana o dilt for Gazar o A Sherami Mura o Lucre is fraud In Sherami Mora e Blaude Loy

ora minura inoflosrai agejevara mimura infaludeimalo suframare aksura mi gaksura mi mole gaksuro pesterav pesteravo milo infera Inna aliku mina filiga o sarmani falakse Idira <inaudible> minu ra'i sara, ibra uskra minu ra'i manro fili manu dello Sefer azo Oh 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 oh

Oh, oh 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 eh eh, 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 eh. oh béni sois-tu ce matin béni sois-tu au nom souverain de Jésus bien-aimés c'est la guerre c'est la guerre ce matin les malédictions des citernes crevassées sont vaincues ce matin dans le nom précieux de Jésus ah, je vais d'abord commencer par dire bonjour à tous ceux qui se connectent ici ce matin et bonjour à tous ceux qui sont là pour la première fois vous êtes sur la plateforme des miracles ou à distance. Nous prions et Dieu manifeste sa gloire, sa grâce et sa puissance. Où Dieu confirme la parole de son serviteur par des signes de prodiges et de miracles. Le Dieu des impossibilités. C'est vendredi, vous savez. Vendredi, c'est un jour redoutable dans la chrétienté. C'est le jour où le Seigneur a été crucifié. Aujourd'hui, le Seigneur commence une nouvelle histoire dans ta vie. Et dans les trois prochains jours, quelque chose de redoutable va s'accomplir dans ta vie. Donc partageons la vidéo maximum, s'il vous plaît. Envoyons les cœurs, envoyons les pouces bleus. Envoyons les cœurs et les pouces bleus. J'attends voir une pluie, une avalanche de cœurs et de pouces bleus, s'il te plaît. Si tu es connecté ce matin, envoie les cœurs et les pouces bleus. Pendant que je parle, fais-le. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Prépare ta bouteille d'eau pour le service de lavement des mains. Contre les malédictions de Satan crevassées, la gloire de Dieu sur moi. Je ressens une notion spéciale ce matin. Et je sais que ceux sur qui je veux prier, avec qui je veux prier ce matin, la gloire de Dieu se révélera de façon immédiate et brutale dans leur vie et dans leur destinée. Jésus a dit si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander chose quelconque, à mon nom, je le ferai. Nous voulons nous associer au nom de Jésus-Christ ce matin pour faire l'impossible dans ta vie. Il est temps que l'impossible s'accomplisse dans ta vie. Il est temps. Que ton nom soit relevé, que Dieu relève ton nom de la honte. Nous sommes de la honte à la gloire. C'est même le thème de ce mois. Et donc, cette matinée sera une matinée dangereuse pour tous les ennemis de nos vies et de nos familles. Dieu veut venger son peuple. Donc, bien aimé, s'il te plaît, connecte-toi, abonne-toi à la page. Hier, j'ai dit qu'avant le coucher du soleil, les mille premières personnes à s'abonner recevraient la double portion de tout ce que je dirai et de toute prophétie que je déclarerai devant l'Éternel, mon Seigneur. Donc je le dis encore aujourd'hui, les mille premières personnes, c'est-à-dire vous n'êtes pas encore abonné à cette page, les mille premières personnes à s'abonner reçoivent la double portion prophétique de ce direct. Il y a une portion prophétique pour toi. Donc rassure-toi d'être abonné à la page et aime la page. Envoyons les cœurs et les pouces bleus, s'il vous plaît. Les cœurs et les pouces bleus. Les cœurs et les pouces bleus. Ce soir, grande nuit de flammes du côté de Douala. Et ce soir, clôture de trois jours de puissance. De la honte à la gloire au niveau de la bille. Ceux qui ont été connectés pendant les deux journées précédentes ont été bénis. Et ce soir, je vais clôturer le programme à la bille. Du côté de Douala, il y aura la grande nuit de flamme. Dimanche, à Yaoundé 7h30, service de lavement des mains. Je serai à Bertois à partir de 7h30 à Mokolo 1. Ancienne s'était Mokolo 1. Soyons très nombreux du côté de On mais À à Lundi. 22. Je suis à la prison centrale de Berthois à partir de 10h. Que Dieu te bénisse au nom précieux de Jésus. Bien-aimé, envoie la vidéo sur le lien à un ami, à un membre de ta famille. Envoie ça à tes enfants pour qu'ils participent au service de lavement des mains pour la délivrance des malédictions des citernes crevassées. Toi et ta famille, Dieu vous mettra à l'abri. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que sa grâce, sa faveur soit sur toi dans le nom de Jésus de Nazareth. Je, je, je ressens l'envie de dire ceci à quelqu'un, de dire ceci, de toute ma force, que ce que tes ennemis attendent de toi, ils ne le verront pas. Ce qu'ils attendent de toi, ils ne verront pas cela s'accomplir. Les souhaits de tes ennemis, je veux anéantir ça par le service d'eau au nom précieux de Jésus, le service de lavement des mains. Vous savez, beaucoup de gens reçoivent la guérison, le miracle, leur restauration. Dans ton mariage, tu as des problèmes, connecte-toi, on va prier. Il n'y a rien qui soit impossible à notre Dieu. Il a dit tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Dit tout. Il n'a pas donné de limitation. Pourvu que ce soit dans le cocon de sa gloire. Donc, si tu as un besoin, un problème, ou tu connais quelqu'un qui est dans un besoin urgent de délivrance, il a besoin d'une intervention. Connecte-le à moi. Connecte-le à moi immédiatement. Dans son mariage, dans sa santé, sa carrière, dans ses études, dans tous les cas, dans tous les domaines de sa vie. Pour tous ceux qui sont en Europe, vous connaissez un bien aimé qui est dans la diaspora qui a traversé des moments compliqués. Rien ne marche dans sa vie, des papiers sont bloqués. Je vous en supplie, envoyez le lien de ce direct à la personne. Dites le prophète de Canaan en direct et les miracles sont sur le point de se déchaîner de manière catastrophique et eschatologique. Il faut dire que la main de Dieu va mettre en pièces les plans de nos ennemis ce matin au nom de Jésus. Quel que soit le pays où tu me regardes, tout ce que je te demande est la foi. La Bible dit d'avoir la foi en Dieu, d'avoir la foi en ses serviteurs, les prophètes. Donc, est juste la foi. Partage la vidéo à quelqu'un. Ta vie sentimentale est déchirée. Ça veut dire elle a été ospillée. Elle est par Satan. Tu ta vie sentimentale n'a plus aucun sens. Tu ne comprends rien dans ta vie sentimentale. Quand je parle de vie sentimentale, je parle du côté du célibat, je parle du côté du mariage. On doit prier pour cela. Ta vie financière, ça ne va pas tes projets ne vont plus bien. Ou alors peut-être avant ça marchait, aujourd'hui ça ne va pas bien. Ou alors peut-être ça marche, mais ce n'est pas comme tu voudrais. Dans tous les cas, quel que soit le domaine de ta vie où tu attends une intervention de Dieu, tu es sur la bonne plateforme. Bonne arrivée. Installons-nous très bien et que chacun prépare sa bouteille d'eau ou bien sa petite bassine, sa petite cuve pour laver ses mains. Alors il faut comprendre déjà que, en ce qui concerne le service de lavement des mains, j'ai expliqué que le lavement des mains et des pieds, est une tradition ancestrale dans la Bible. C'est une pratique qui a commencé depuis l'Ancien Testament. Depuis l'Ancien Donc dans l'Ancien Testament, c'était juste de la bienseillance. C'était être bienseillant, être bien éduqué, que de recevoir un étranger en lui servant de l'eau pour ne laver. Pas à boire, pas à boire. Personne ne boit. Pas à boire. Pas à boire pour laver les mains. Alors l'étranger avait de l'eau dans une cuve qu'on lui servait pour laver ses mains, sa face et ses pieds. Voilà. Ça, c'était la bienséance. Ça n'avait aucune portée spirituelle. Et aujourd'hui encore, chez nous au nord, dans la culture nordique que j'ai, chez les musulmans au nord, vous allez trouver que quand un étranger arrive, on lui met toujours l'eau dans une bou ce bouilloire, dans une bouilloire, qu'on appelle le à chez nous. On met de l'eau dedans, on lui donne. Il lave sa face, il lave ses mains, il lave ses pieds. Et le prophète Muhammad a tiré cela, ces pratique là des juifs. Et donc, c'est resté dans l'islam aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, c'est pratique courante parmi les nordistes, parmi les musulmans, chez nous au Cameroun, au Nord. Je sais pas, euh, de quoi il en est, dans votre pays. Donc, nous avons vu que, à l'époque mosaïque, Moïse, par l'éternel, a donc établi une loi. Dieu a établi une loi par Moïse, disant que les sacrificateurs, Aaron et ses fils, avant d'entrer dans le temple, devraient laver leurs pieds. Ils devraient laver leurs pieds. Ils devraient faire des ablutions. Donc, laver leurs pieds. Pour entrer dans la présence de Dieu, sinon il mourrait. Voilà. Donc c'est un signe de consécration, un signe de purification et de service. Là, ça avait déjà une portée religieuse. Après cela, Jésus-Christ est venu. Il a repris la même pratique sous une autre forme. Déjà, les apôtres se lavaient déjà les mains, les pieds et la tête. Voilà pourquoi, lorsque Jésus-Christ prendra de l'eau, qu'il la mettra dans une bassine et voudra laver les pieds de ses disciples, Pierre lui dira Non, si tu veux, non, toi tu ne peux pas laver mes pieds. C'est à moi de laver tes pieds. Et Jésus va expliquer à Pierre que non. Si je ne lave pas tes pieds, si tu refuses, tu n'auras pas part à mon royaume. Toi, tu seras disqualifié pour le royaume. Et donc, <coughs> l'apôtre Pierre dira donc à Jésus Mais s'il faut laver seulement les pieds, ça ne me suffira pas. Fais-moi donc une ablution générale. Donc, je vais laver. Donc, tu me laves les pieds, tu laves mes mains, tu laves aussi ma tête. Et Jésus l'a dit non. Ici, ce n'est plus la pratique religieuse à laquelle vous avez été habitué depuis votre enfance. Ici, c'est une portée prophétique, un acte prophétique. Et cet acte prophétique, sa signification, c'était quoi Jésus-Christ allait envoyer ses apôtres dans le monde entier pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Il devait les envoyer dans les nations de la terre et il fallait qu'ils aient autorité sur les territoires vers lesquels ils iraient. Et donc Jésus-Christ, en lavant leurs pieds, leur donnait la possession de tous les territoires qu'ils allaient euh, euh, explorer, tous les territoires qu'ils allaient visiter. Donc, bien aimé, à partir de ce moment, voilà pourquoi, comme vous lisez dans Matthieu chapitre 28, lorsque Jésus leur dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Les apôtres ont vraiment fait de toutes les nations des disciples. Ils n'ont échoué dans aucune nation où la plante de leurs pieds a été euh, posée. Donc, ça nous avons vu l'influence, la puissance de cet acte prophétique dans leur vie et dans leur ministère. Maintenant, nous sommes au niveau du lavement des mains. C'est quoi le lavement des mains il faut comprendre, s'il te plaît, le domaine de ta vie où tu attends une intervention de Dieu. Écris ça, tout simplement, écris ça en commentaire. Si c'est sentimental, dis domaine sentimental. finance tu mets finance. Si c'est les papiers que tu veux, tu es en Europe, tu veux les papiers. Il y a une sœur qui a rendu témoignage, malheureusement je n'ai pas mon téléphone ici. Elle a rendu témoignage. Et je pense que Mireille, Mireille m'a Mireille aussi parlé d'une autre sœur comme ça hier. Qui, on a prié, j'ai prié pendant le service de lavement de mains ici. On a déclaré au nom de Jésus de Nazareth sur les papiers. Immédiatement, la sœur dit qu'on l'a appelé. Je pense qu'il y en a une qui a appelé en direct pour un témoignage dans cette semaine-ci. Et il y a d'autres qui ont aussi appelé pour laisser leur témoignage. Donc je vais demander à Mireille de leur demander de laisser des audios. Je vais faire écouter ça. Je pense que pendant mon prochain direct. Pour que vous compreniez que ce que nous faisons, ce n'est pas le jeu. Car le nom du Seigneur est invoqué, sa puissance se manifeste et sa gloire descend. Et lorsque des gens crient à Dieu, Lorsque les gens crient à Dieu de tout leur cœur, lorsque les enfants de Dieu d'un cœur pur crient à Dieu avec un cœur d'enfant, Dieu se manifeste et Dieu se glorifie. Et je voudrais avertir à tous nos abonnés, tous nos bien-aimés qui nous aiment dans le monde entier. Merci pour votre amour déjà. Pour tout, j'ai vu des groupes par pays, c'est-à-dire fan club France, fan club Canada, fan club Belgique, etc., etc. Que Dieu vous bénisse. Continuez dans la même lancée. Créez des fan clubs et priez pour moi, votre père. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus. Donc, je voudrais avertir tout le monde. Je n'envoie pas des invitations aux gens. Je n'écris pas sur Facebook aux gens. Et je ne vends pas l'huile de faveur sur Facebook aux gens, ni aucun article spirituel. Nous n'avons jamais fait ça, nous ne le ferons jamais. Donc, il y a beaucoup de faux comptes au nom du prophète et Canet Ferdinand qui arnaquent les gens. A chaque fois qu'on vous demandera de l'argent, vous verrez un profil, et compte, il ferdinand, qui vous écrivent et vous demandent de l'argent, sachez que c'est des arnaqueurs. Voilà les miracles qui accompagnent le faux compte à mon nom. Faites attention. Tous ceux qui vous écrivent au nom du prophète, Canet ferdinand, c'est des voleurs, qui vous demandent d'envoyer des offrandes pour la prière, vous demandent des quêtes, ou bien dans des groupes WhatsApp. Je n'ai aucun groupe WhatsApp actuellement. Je n'ai aucun groupe WhatsApp. Donc tous ces groupes WhatsApp, sortez, bloquez, signalez ces comptes. Tous ces faux comptes. Quelqu'un vous demande l'argent au nom du prophète Icarus Ferdinand, signalez ce compte. D'ailleurs, lorsque vous m'écrivez, parfois c'est difficile que je réponde. Parce que j'ai dizaines, des dizaines de milliers de messages en même temps. Donc je n'arrive pas à répondre. Donc, si vous voyez un prophète Kane Ferdinand qui avait vous, vous écrivez, c'est même lui qui vous harcèle, qui envoie l'offrande, ma fille, mon fils envoie l'offrande, comment tu t'arrêtes comme ça, la colère de Dieu peut déjà tomber parce qu'elle pèse suite à tel qu'on l'épée de Damoclès. Il faut savoir que c'est des voleurs, c'est des bandits, c'est des escrocs. Ils sont nombreux. Sur Facebook, même les musulmans sont dedans. Les catholiques sont dedans. En fait, ils se sont rendus compte que le nom et Ferdinand est une marque déposée qui peut sortir leur famille de la pauvreté. Qu'ils soient anathème au nom souverain de Jésus. Chaque franc qu'ils ont détourné soit anathème, une malédiction dans leur vie, dans le nom précieux souverain de Jésus de Nazareth. Donc méfiez-vous. Le prophète de Cana, Ferdinand, ne demande pas l'argent aux gens. Je ne demande pas l'argent, même pas seulement. sur Facebook. je, je n'ai jamais demandé l'argent à quelqu'un depuis que je fais le ministère. Je n'ai jamais demandé cinq francs à personne. Je n'ai jamais fait, jamais de la vie, et je le ferai jamais jusqu'à ma mort. Que Dieu me préserve dans le nom précieux souverain de Jésus. Généralement, je suis en train de parler. Euh, je parlais avec quelqu'un à la maison et je disais à la personne qu'il faut comprendre que ce que je fais pour vous, je le fais par respect pour la parole de Christ, par conviction pour l'évangile que Jésus-Christ m'a enseigné. Ce que je fais pour vos enfants, je le fais par obéissance à l'écriture parce que je suis un chrétien. Par définition, je suis né de nouveau. Et à cause de cela, je dois faire du bien autour de moi. Donc ne t'attends pas que... Ne te dis jamais que tes enfants, s'ils deviennent quelque chose demain. Et que moi-même je deviens pauvre, que je viendrai un jour revendiquer ce que je fais pour vous, jamais de la vie. Et je leur dis, même si tes enfants sont présidents de la République demain, n'imagine pas un seul instant que je me tiendrai un jour devant eux pour demander de l'aide ou demander 5 francs. Je n'ai jamais fait ça et je ne le ferai jamais jusqu'à ma mort. Je prie que Dieu te sauve de l'esclavage, de l'esprit de la servitude. Je veux te parler de l'esprit de la servitude. On va chasser l'esprit de la servitude qui est une autre manifestation de citaines crévassées. Tu dois sortir des prisons de la servitude. Bien aimé, partageons cette vidéo. Je suis très sérieux. C'est très dangereux ce matin. C'est grave même. Partage la vidéo à tes enfants, à ta famille. Il y a quelqu'un qui sauve de l'esprit de la servitude. C'est quoi l'esprit de la servitude Tu, tu examines ta vie. Donne-moi le domaine où tu veux que Dieu intervienne dans ta vie avant que ma bouche ne prophétise. Vous savez, en vision, le Seigneur m'a dit quand il m'a appelé, «Voici le signe par lequel tu reconnaîtras.» que moi, l'Éternel, ton Dieu, je verrai sur toute la parole que je prononce à ton égard pour l'exécuter. Ça veut dire quoi Lorsque je parle, la chose arrivera. Quand je passe si tu as la foi, la chose arrivera. La sœur a témoigné. En France, ses papiers étaient bloqués. On a prophétisé sur elle-là, elle sur un direct comme ça. Le lendemain, elle dit qu'on l'a appelé pour aller. D'autres ont signé des contrats après avoir suivi simplement un direct et fait le service de lavement des mains. Et la gloire de Dieu les a élevés. C'est ton tour ce matin. Dans le nom précieux de Jésus. Écris en commentaire le domaine de ta vie où tu veux que le Seigneur intervienne. Tout à l'heure, je vais invoquer le nom du Seigneur en ta faveur. Et prépare ton eau. Prépare ton eau. Jésus a lavé les pieds des disciples. Nous allons laver nos mains ce matin. Et j'ai expliqué qu'à Wina Chapel de Papa David Oyedepo, depuis des décennies, par mois, une fois, on lave les pieds de tous les chrétiens. Dans l'église, tous les chrétiens. Lorsqu'on le voyait un homme de Dieu poser des actes comme ceux-là, ça veut tout simplement dire que Dieu lui a parlé. Il a vu quelque chose. Il a entendu quelque chose. Il a aperçu et saisi quelque chose dans le spirituel. Je prie que Dieu restaure chaque domaine que tu mets en commentaire. Envoyons les cœurs, envoyons les pouces au nom de Jésus de Nazareth. L'esprit de la servitude. Bien aimé, vous savez, l'esprit de la servitude, c'est un esprit d'esclavage, si tu veux. C'est un esprit d'esclavage. C'est un esprit, ça dit que, il y a des personnes dans cette vie spirituellement qui ne sont pas encore libres. Et j'ai eu l'habitude d'expliquer que la vie physique, c'est-à-dire que la vie physique est gouvernée par la vie spirituelle. Le physique est gouverné par le spirituel. Et ça, même des philosophes puissants comme Socrate ont compris cela. Vous savez, je pense que euh, bon, Socrate, il avait deux grands amis, Simias et Sébès. Et je crois que c'est Simias qui a donné cette citation. Il dit, c'est l'esprit qui commande et c'est le corps qui obéit. Donc même des philosophes comme ont compris que l'esprit commande et le corps obéit. Et Jésus lui-même, il a dit, la chair ne sert à rien. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Comme on peut c'est l'esprit qui donne la vie. La chair ne sert à rien. Celui qui n'a pas contrôlé le spirituel ne peut pas prospérer dans le physique. Celui qui n'a pas remporté les batailles invisibles ne peut pas remporter les batailles visibles. Celui qui n'a pas remporté les guerres invisible ne peut pas remporter de guerre visible. Celui qui n'a pas décroché son mariage dans le spirituel ne peut pas se marier dans le physique. Celui qui n'a pas libéré sa richesse dans l'invisible ne peut pas être riche dans la vie réelle. Donc ta vie physique est commandée par ta vie spirituelle. Si tu n'as pas de vie spirituelle, tu n'as pas été affranchi sur le plan spirituel, tu n'as pas repris tes possessions, sur le plan physique tu ne prospéreras pas. Et quand on parle de l'esprit d'esclavage, il se manifeste par un échec chronique dans ta vie. Les échecs chroniques, échecs chroniques, ça veut dire que le succès, tu ne le connais pas. La réussite, tu ne connais, la connais pas. La joie, tu ne la connais pas. Dans tous les domaines de ta vie, tu sens des blocages, tu sens que quelque chose ne va pas. Avec quelque chose, ne tourne pas rond dans ta vie. Tu sais que ça dit, ta vie ne tourne pas en plein régime. Tu sais que ce que tu fais là, ce n'est pas ton vrai niveau. À ton âge, fais le bilan. À ton âge, fais le bilan. L'esprit d'esclavage fait en sorte que tu travailles, mais c'est d'autres personnes qui moissonnent à ta place. C'est ça qu'on appelle l'esprit d'esclavage. Tu travailles, d'autres personnes viennent moissonner à ta place. Que Dieu, que l'éternel, que Dieu maudisse et réprime l'esprit d'esclavage dans ta vie, au nom souverain de Jésus de Nazareth. Dis-moi le domaine dans lequel tu attends que la main de Dieu arrive. On va aller terre à terre. Je donne un exemple. J'ai une de mes filles qui a travaillé pendant des années sur Internet. Elle a eu un blanc, un français. Elle a eu un français et puis, un jour, qu'est-ce qui va se passer Le monsieur va décider de quitter la France pour venir au Cameroun, pour l'épouser. Pour oh mon Dieu. Et donc nous étions très contents pour elle. Mais cependant, il y a quelque chose que nous n'avions pas vu. La soeur n'avait pas été délivrée de l'esprit d'esclavage. L'esprit d'esclavage spirituel. Ça, on n'avait pas vu. Ça, on avait manqué cela. Et donc, lorsque le blanc a décidé de venir au Cameroun, il est arrivé au Cameroun. Mais au lieu de s'arrêter à Yaoundé, il a traversé pour, pour Kribi. C'est-à-dire qu'à l'aéroport, il a rencontré une fille. Il a oublié la fille pour laquelle il était venu, avec qui il causait depuis des années. Il est allé directement à Kribi, avec l'inconnu. Et puis, ils sont repartis ensemble. Ils sont partis. Je suis retourné en France. Ma fille est restée jusqu'à aujourd'hui. Elle n'a pas eu de mari. Pourquoi Parce qu'en fait, le don du mariage est arrivé, mais elle a trouvé qu'elle n'était pas prête. Elle n'était pas délivrée de l'esprit d'esclavage spirituel. Il y avait encore cette malédiction d'esclavage dans sa vie. La malédiction de l'esclavage fait que tu travailles comme un éléphant, mais tu moissons comme une fourmi. Ça veut dire dans tous les domaines. J'ai raconté l'histoire d'un frère que je connais. Pour ceux qui connaissent le cinquantenaire au Cameroun, vous voyez le logo du cinquantenaire. Le logo du cinquantenaire, je pense, a produit 50 millions, je crois. Hein? C'était quelque chose qui devrait produire 50 millions à celui qui allait fabriquer, concevoir et produire le logo du cinquantenaire au Cameroun. Et donc, ce que vous ne connaissez pas, c'est que le pasteur qui a produit le logo, c'est-à-dire qui a fait le logo du cinquantenaire au Cameroun, c'est quelqu'un que je connais. Ou que je connaissais, avec qui j'ai travaillé dans notre chaîne de radio, dont on était proche. On travaillait tous les jours ensemble. Un jour, il est venu me voir. Il m'a dit Mon frère, trouve-moi un peu d'argent. Regarde-moi. Il a amené sa main dans sa poche. Il a retiré deux pièces de 100 francs. C'est-à-dire 200 francs CFA. Et il s'est mis à pleurer. Il m'a dit Comment tu peux m'expliquer qu'un homme de mon âge, je n'ai que 200 francs dans ma poche. Il m'a dit Je n'ai pas d'épargne. Je n'ai pas de compte bancaire. Je n'ai plus un argent gardé quelque part. Toute ma richesse sur la terre, c'est les 200 francs CFA que je te montre. J'ai une femme, j'ai des grands-enfants, je dois prendre soin d'eux, je dois les envoyer à l'école, et ma fille, je dois préparer son mariage, etc. J'ai tellement de responsabilités, je dois payer le loyer, je dois nourrir ma famille, etc., etc. Je n'ai que 200 francs. Pourtant, je suis un génie. Le logo de notre ministère, c'est lui qui me l'a fait gratuitement. Un génie tel que je n'en ai jamais vu en infographie. Je pense que c'est le plus grand infographe du Cameroun. Pour moi je n'ai pas vu les autres à l'œuvre j'ai vu les gens fait dans l'infographie mais lui il n'a je n'ai jamais vu quelqu'un comme lui un génie tout fait un don de dieu alors qu'est ce qui va se passer l'histoire de l'esprit d'esclavage l'esprit d'esclavage l'esprit d'esclavage il a fait le logo et il était occupé il avait son fils qui est aussi un pasteur qui formait il a dit à son fils ok comme le gouvernement camerounais a lancé le, dé, le, dé, le, 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 le défi, a lancé le concours du logo, voici mon logo. Va présent, représente-moi pour le logo. Parce que je suis un peu occupé. Il va donc prendre son logo, il va donner à son fils. Son fils va prendre le logo et aller proposer cela pour le concours. Et c'est son logo qui sera retenu. Écoutez bien cette histoire. L'esprit d'esclavage. Dis à ton voisin, l'esprit d'esclavage doit mourir. L'esprit d'esclavage doit mourir. On a pris parmi tous les logos, des milliers et des milliers de logos. C'est le logo de ce pasteur qui a été retenu. Alors quand le logo est retenu, ça dit dire qu'il devait recevoir une prime de 50 millions. 50 millions. Mais 50 millions, mes amis, c'était la fin de sa pauvreté. C'était la fin de sa misère. Parce que le logo, Dieu l'avait délivré. Le Seigneur, enfin, avait exaucé sa prière. C'était une opportunité qui le sortait de la pauvreté. Mais le jeune fils qu'il a envoyé, et aller remplir la fiche là-bas qu'il est le concepteur et le réalisateur du logo. Il s'est enregistré là-bas. On a pris son nom. On a enregistré son nom. Et son père l'appelle pour lui dire, mon fils, qu'est-ce que j'entends Je te vois déjà passer à la télévision en train de raconter comment tu as souffert pour concevoir ce logo. L'enfant lui demande que toi, tu es qui Il dit, mais c'est pas possible. C'est moi qui t'ai donné le logo d'aller présenter, me représenter. Si c'est bon, tu me fais signe. Tu me demandes, moi, c'est qui L'affaire, ils sont allés au tribunal au tribunal l'enfant a nié d'avoir jamais rencontré son père. Et là je te connais pas pourtant nous tu, nous savions que c'était son père, on savait comment ça s'était passé. Et dans les 50 millions de garçons, peut-être il n'a même pas eu 20 millions hein, là, de 20 millions. Les ministres, les directeurs généraux là, chacun coupé sa part, le garçon ne passait le temps qu'à Dubaï avec les belles filles à Dubaï avec le salaire du travail de quelqu'un. Une souffrance, il n'a même pas souffert, il n'a pas fait verser une seule goutte de sa tête de son front, mais il a récolté. C'est que quelqu'un d'autre avait mentionné pourquoi, parce que le bien-aimé n'avait pas été délivré de l'esprit de l'esclavage. Voyez, Donc de l'esprit d'esclavage est un esprit dangereux dans l'Église aujourd'hui. C'est un esprit redoutable et l'Église doit comprendre que c'est quelque chose qu'il faut que nous prions contre cela. Il faut que nous prions contre cela. Lorsque vous lisez par exemple dans Juge, laissez-moi vous donner un exemple. Il y a des gens comme ça. Dans la vie sentimentale, quand l'esprit d'esclavage est sur toi, tu ne peux pas te marier. Même si tu te maries, tu vas sortir. Je vais te prouver par A plus B. Qu'est-ce que je dis biblique? Même si tu te maries, il faut te rassurer. Est-ce que l'esprit d'esclavage a été détruit dans ma vie? Parce que tu peux. Déjà, la première chose, c'est que c'est un esprit qui ne te permettra pas de te marier. C'est ça le problème. C'est-à-dire que tu vas investir dans la vie d'un homme ou d'une femme. Le temps de récolter, quelqu'un d'autre vient prendre ton trophée. C'est pas comme si tu construis une maison, quelqu'un d'autre vient habiter. C'est cela que, dans la bénédiction, avant d'entrer à Canaan, Dieu dit à Israël, vous habiterez des maisons que vous n'aurez pas bâties. Les gens là souffrent de l'esclavage. d'esclavage. Ça dit, ils vont travailler comme des esclaves pour vous. Vous allez, vous allez hériter de leur travail. Vous n'aurez pas travaillé, travail, mais vous allez hériter de leur travail. Il y a des enfants de Dieu. Les gens héritent de leur travail. Les gens prennent tes idées. Ils prennent tes idées. Et puis ils vont appliquer ces, ces idées-là. Vous savez, aujourd'hui on a par exemple les carrefours. La manière dont les carrefours de Yaoundé sont décorés. Je connais l'homme qui a eu cette idée. Je le connais, je le connais. C'est le père de l'enfant d'une proche à moi. Les guirlandes, vous voyez les guirlandes là dans les carrefours, ornent les carrefours de la ville de Yaoundé. C'était un marché qui pesait des millions et des millions, des centaines de millions. Je connais la personne qui a gagné ces marchés. Mais cependant. Lorsqu'il a proposé le marché, les gens ont trouvé que c'était bon. Le délégué à de, la, de, la, de la commune urbaine de l'époque, ça fait des années, s'est rendu compte que l'idée pouvait rapporter l'argent. Lui-même, il a détourné le projet. Finalement, on a tourné le monsieur comme ça, et puis le délégué et ses gens ont détourné des centaines de millions. Ils ont commencé à faire ça, d'ailleurs, parce il leur avait exposé toute son idée. On a volé son idée, il est resté dans la pauvreté, son idée a enrichi d'autres personnes. Que cette malédiction soit brisée dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Je connais une autre femme, une sœur, avec qui on priait à l'époque, dans les années 2005. Elle a été fiancée avec un garçon. Le garçon n'avait pas de quoi manger. Elle travaillait déjà. Écoute bien l'histoire ici. La malédiction de l'esclavage spirituel. Dieu doit te délivrer de cela. Tu dois sortir de là. La malédiction de l'esclavage spirituel. Alors, elle s'est investie dans la vie du jeune homme. Elle a inscrit le garçon à l'université. Il a fait première année, deuxième année, troisième année quatrième, année, quatrième année, cinquième année, sixième année, septième année. Il a soutenu son doctorat. Il est sorti, il est sorti médecin, docteur. Là, où il sort docteur, il écrit à la sœur pour lui dire qu'il ne peut plus l'épouser parce que j'avais tout fait, il avait tout projeté, le mariage, la famille le connaissait, il était venu faire toquer la porte. Mais avant la dot, il écrit à la sœur, il lui dit que il ne peut pas l'épouser, il ne peut plus l'épouser. Et il lui signe son message en disant L'argent, c'est le pouvoir. <laughs> Et il allait prendre une autre femme qui n'avait contribué en rien à ce qu'il était devenu. Et il a oublié la soeur. La soeur, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas mariée. Alors je parle, depuis 2000, les histoires de 2005, 2004, 2005, jusqu'à aujourd'hui, elle n'est pas mariée. Et c'est l'homme qu'elle avait aimé dans sa vie. Le monsieur est parti avec une autre femme. Pourquoi Parce que la soeur, on appelle ça la poisse, la malchance. Mais. En réalité, c'est l'esprit de l'esclavage spirituel. Tu es un esclave. Un esclave ne peut pas devenir un roi. Un esclave ne peut pas devenir un prince. Une esclave ne peut pas devenir une princesse. Il faut d'abord la libérer de son esclavage spirituel. Que Dieu se souvienne de toi. Que l'esclavage s'arrête dans ta vie, dans nos familles au nom souverain de Jésus de Nazareth. Tu peux travailler. Tu peux avoir des grands diplômes dans ta vie. Mais tu es pousseur oui, c'est ça la vérité, l'esprit d'esclavage. Parce que spirituellement, tu es tenu en prison. Tu es dans une prison. Tu es emprisonné, c'est ça la réalité. Tu es dans la prison. Tu peux avoir de grands diplômes, mais sans avoir de travail. Tu peux avoir de grands travail. Si tu as l'esprit de l'esclavage en toi, tu ne jouiras jamais de ce travail. Tu peux toucher des millions, même des milliards. Mais si l'esprit de l'esclavage n'a pas été brisé dans ta vie, tu feras rien de cet argent. À la fin, tu sortiras toujours pauvre. Tu retourneras dans la classe départ. Lisons un passage dans la Bible. Lisons un passage dans la Bible, dans Juge, chapitre 6. La Bible dit ceci au verset 2. « La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui. » détruisaient les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils, ils, étaient, ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent de l'esprit de Madian ou de l'esprit de l'esclavage spirituel. C'est ça qu'on appelle l'esprit de Madian. C'est-à-dire que tu es malheureux. Pourquoi Parce que tu ne jouis jamais du fruit de ton travail. Et c'est pour cela que Dieu dira à Isaïe dans Isaïe 8, verset 10. Dites que le juste prospérera et qu'il jouira du fruit de son travail. Mes amis, il n'y a pas plus grande frustration dans la vie lorsque tu ne jouis pas du fruit de ton travail. Lorsque tu ne jouis pas, tu ne profites pas du fruit de ton travail. Tu souffres, tu es malheureux. La Bible dit qu'Israël fut malheureux. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'éternel. Voulons crier à notre Dieu ce matin. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont malheureux à cause de Madian. À cause de cet esprit. Tu te maries. C'est pas un problème. Hein. Tu peux te marier. Avoir l'esprit de Madian dans sa vie ou l'esprit de l'esclavage spirituel ne veut pas dire que tu ne vas pas te marier. Tu peux te marier, mais ton mariage sera une prison, un enfer pour toi. C'est-à-dire que tu te diras, ah, quand j'étais célibataire, c'était encore mieux. J'étais mieux. Le mariage ici est en train de me détruire. Tu te marieras, c'est vrai, mais tu ne jouis pas de ta bénédiction. C'est ça le de ma Il vient saccager quand tu amasses, il vient disperser. Dès que tu amasses, il saccage. Dès que tu fais quelque chose de bien, il vient détruire ça, il transforme ça en mal. Il vole tes bénédictions, il vole tes opportunités, il te sépare de la saison de, de bénédiction. Dès que tu travailles, tu travailles, tu sèmes, tu sèmes. À la moisson, tu ne peux pas récolter. Pourquoi? Parce que l'esprit de Madian ou de l'esclavage spirituel vient faire en sorte que tu ne profites pas. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de personnes peuvent témoigner. Même ici en direct, les gens peuvent témoigner. Qui ont eu de grandes opportunités dans leur vie. Mais n'en ont pas profité. Tu vois quelqu'un, tu regardes son téléphone. Il a des puissants contacts dedans. Des grands contacts. Mais il n'a jamais profité. Aucune aide de ces personnes. Mais cependant, lorsque tu as la faveur de Dieu, lorsque l'esprit de l'esclavage spirituel est détruit dans ta vie et que la faveur de Dieu est sur toi, mon ami, tu jouis de tes opportunités, tu jouis de tes prérogatives. Voilà pourquoi il y a des femmes, tu vas regarder l'histoire de cette femme, le catalogue marital et sentimental. Elle a failli se marier au moins 100 fois. 100 fois, elle a failli se marier. Certaines femmes se sont donc retrouvées à vouloir contenter les hommes, se disant, non, si je fais un enfant à cet homme, il va m'épouser, madame. C'est une mauvaise façon de penser. C'est un mauvais calcul. Et la preuve en est que sur dix femmes qui ont fait des enfants avec des hommes, presque les dix ont été abandonnées par ces hommes. Presque les dix ont toujours fini par éduquer leurs enfants elles-mêmes. Par porter la responsabilité de leurs enfants. Elles sont rares. Celles qui ont vu les pères de leurs enfants, « Oh Maria, prendre soin de leurs enfants. » Pourquoi Parce que si la malédiction de Madian est sur toi, si la malédiction de l'esclavage spirituel est sur toi, tu peux lui faire dix enfants, il ne te posera pas. Le problème n'est pas de faire des enfants à cet homme. Le problème est de chercher ta délivrance. Le problème est d'être libéré. Voilà pourquoi Jésus a dit ceci. Nul ne peut entrer dans la maison et récupérer ce qui lui appartient sans avoir au préalable vaincu l'homme fort qui l'a privé de toutes ses richesses. C'est un peu ça l'esprit de l'esclavage. Ce n'est pas que tu n'es pas riche, tu es riche. Mais ta richesse est passée à une autre. C'est-à-dire c'est une autre personne qui prend contrôle sur ta richesse. Satan te dépossède de ton héritage. Et c'est une réalité. On peut voler ta destinée. L'apôtre Paul dira dans Galates 4 verset 1 à 2. Il dit quoi Il dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant. Je dis qu'il ne diffère en rien de l'esclave, d'un esclave. Mais il est sous des tuteurs, des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Donc c'est l'héritier, mais qui est un esclave. Beaucoup d'enfants de Dieu, quoi qu'ils soient, des héritiers sont des esclaves. Ils sont mis sous des tuteurs et des administrateurs. Ça veut dire il y a quelqu'un qui administre leurs bien, leur destinée, leur bénédiction, leur, 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 leur grâce, leur héritage. Mon ami, quiconque administrait ton héritage, à partir de maintenant, je déclare, dans le nom de Jésus de Nazareth, que l'administration de ton héritage te revient. Quelqu'un dit, amène en commentaire, si tu es prêt pour cela, tu reprends le contrôle sur ton héritage. Tu reprends le contrôle sur ta vie. Oh. Tu reprends le contrôle de ta destinée. Aujourd'hui, tout tuteur spirituel, tout administrateur qui représente la malédiction de l'esclavage, qui représente Madian, toute personne qui a contrôle sur ta vie, perd le contrôle sur ta vie au nom souverain de Jésus. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur te rend ton indépendance. Le Seigneur brise la malédiction de l'esclavage dans ta vie et la prospérité. Sera ton partage. Le succès sera ton partage au nom précieux et souverain de Jésus de Nazareth. Où que tu sois, tu connais ton histoire. Dis-moi en commentaire dans quel domaine tu veux voir Dieu intervenir en ta faveur. Dis-le-moi, s'il te plaît. On va prier ensemble. Vas-y, bah, si c'est tôt. Je veux prier. Je t'en supplie encore. Invite les gens. Rassemble ta famille. Dans ta famille, peut-être on ne se marie pas. L'esclavage, c'est ça. Le célibat. Dans ta famille, peut-être, les gens n'arrivent pas à travailler. Ou les gens travaillent, mais ils n'ont rien. J'ai vu des colonels, je connais l'histoire d'un colonel dans l'armée. Ça dit, il lui restait seulement un grade pour devenir général. À sa retraite, il n'avait pas une case qu'il a construite de toute sa vie. Il est retourné dans son village. Il est arrivé au carrefour. Il est descendu avec sa femme et ses enfants, ses six enfants. Au carrefour, personne dans le village ne l'a accueilli. Les gens du village se sont fâchés. On lui a dit qu'il n'aura pas où dormir dans le village parce que toute sa carrière, il n'a rien fait pour son village. Je parle d'un colonel qui va en retraite sans rien. Lorsque la malédiction de l'esclavage est dans ta vie, tu vas travailler dans le gouvernement ou bien dans le privé. Tu vas gagner d'énormes sommes d'argent comme salaire. Mais à la retraite, tu regardes ta vie. Tu as touché des millions. Tu es passé par d'énormes sommes d'argent. Pas des sommes d'argent faramineuses, grandiloquentes. Mais à la fin, à la retraite, tu es plus pauvre que lorsque tu n'avais même pas encore commencé de travail. Et c'est ça le problème l'esprit de la malédiction de l'esclavage. Tu te maries à un homme riche, mais il ne prend pas soin de toi. Il ne prend pas soin de toi. Il ne prend pas soin, de prend soin, de prend soin des femmes dehors. Tout son argent va dehors. Sur ses enfants qui sont dehors, toi et tes enfants, il vous abandonnent. Pourquoi La malédiction de l'esclavage. Que Dieu se souvienne de toi, qu'il se souvienne de son église au nom précieux de Jésus. Prends ton nom, s'il te plaît. Je veux prier avec toi. Manautel tauda manra in fali gumino dolosoi. Parteira mou da inaso nasobremita u Cornei. Walla somina Ifalias Manschariah. Wadella inna otol sabanote in filugoya. Anora ina u mi wa inasila vila villa u Gelzaro. Dieu va libérer ta richesse, Dieu va libérer ton mariage. Dieu va libérer tes projets. Dieu va libérer tout ce qui est de toi, toute bénédiction qui t'appartient, qui a été retenue en esclavage, à partir de maintenant, par le service de lavement des mains. Le Dieu que je sers, le Dieu que tu sers, le Dieu que nous servons, va étendre une main puissante pour apporter une délivrance redoutable dans ta maison dès à présent. Préparez-vous, les anges vont commencer à se manifester. Comme hier, les anges vont se manifester dans ta maison, dans ta vie. Prends ton nom, Baliana Galita ou dala menau daltaou. Rassure-toi que tout le monde que tu connais est connecté, s'il te plaît. Rassure-toi que tout le monde que tu connais est connecté. Galasamina ou Rabana ou, ou Mets ton nom comme ça à côté de ton écran. Tu fais le commerce, ça ne va pas. Tu es déjà fatigué, ne te décourage pas. Il y a encore un Dieu qui peut te restaurer. Il a des serviteurs dans cette nation par qui il peut amener ta vie dans le repos. Je déclare au nom de Jésus, Père, étends ta main sur ces eaux. Dans le monde entier, mets fin à de souffrances. Mets fin à nos souffrances. Parce que c'est le lavement de la main inspiré par le Saint-Esprit. Mon Père et mon Dieu, étends ta main dans le monde entier. Que ton nom soit invoqué dans ces eaux maintenant. Ton nom soit invoqué dans ces eaux maintenant. Brise les malédictions d'esclavage dans nos vies sentimentales, dans nos projets, dans nos carrières, dans nos professions, au nom puissant de Jésus. Je prie pour tous ceux de la diaspora qui ont des difficultés à s'intégrer, au nom de Jésus. Seigneur, que par cette eau, ils soient délivrés. Par cette eau, ils soient libérés. Par cette eau, ils reçoivent ta grâce. Je prie pour tous ceux qui sont privés de grâce, qui sont privés de faveur, qui sont privés de bénédiction, qui travaillent mais ne voient pas le salaire, qui travaillent mais leur salaire est retenu, au nom puissant de Jésus. Père, je déclare la libération de ton peuple. La libération de ton peuple. Oh mon Dieu. Les anges sont en train de se manifester. Les anges sont en train de se manifester. Mon Père, mon Père, libère des anges. Libère des anges. Des myriades d'anges vers nos maisons maintenant. Père, quels que soient les hôtels qui ont été bâtis. Quel que soit le lieu où les richesses ont été cachées. Quel que soit le lieu où les mariages ont été cachés. Quel que soit le lieu où les santé ont été cachées. Père, je déclare au nom puissant de Jésus. Que tes anges aillent déterrer. Par ce service d'eau que les gens expérimentent des manifestations de l'esprit inouï dans leur maison et dans leur famille, dans le nom puissant de Jésus, dans ta carrière, parce que toi, l'éternel se souvient de toi. Dans ton mariage, si tu es marié, ça ne va pas. L'éternel restaure ton mariage, il ramène le cœur de ton mari, il ramène le cœur de ta femme au nom puissant de Jésus. Mon Père et mon Seigneur, tous ceux qui sont connectés maintenant et ceux qui seront après connectés, Père, que chacun reçoive ta grâce, chacun ta délivrance au nom souverain de Jésus. 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 Au nom souverain de Jésus-Christ. Ouvre ton eau. Ouvre ton eau. L'injonction prophétique est une puissance, une bombe de la part de l'Éternel qui va exploser dans le camp de tes ennemis. Quiconque retient ce qui est à toi. Ta bénédiction, tes opportunités, va libérer cela, va relâcher cela immédiatement dès que nous lavons nos mains. Père, merci pour ta grâce et ta gloire. Au nom du Père, au nom du Fils. Au nom du Saint-Esprit, dis Amen cette fois avec moi. Amen, 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 Amen. Lave ta main trois fois et déclare, Seigneur, au nom puissant de Jésus, je me sépare de la malédiction de l'esclavage. Je me sépare de la malédiction de Madian. Moi et ma maison, moi et ma famille. Au nom précieux de Jésus, nous nous séparons. Tu laves ta main comme ça. Nous nous séparons de la malédiction de Madian dans le nom précieux de Jésus. Si c'est une maladie qui est dans ton corps, une maladie qui fait de toi son captif, dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Comme tu laves les mains, dis Je me sépare de cette maladie. Je me sépare de cette malédiction. Je me sépare de cette limitation spirituelle dans le nom précieux de Jésus. Touche ton écran maintenant. Joins ta main à ma main pendant que je prie. Touche ton écran télévision, ou bien ton téléphone, ou bien ton laptop. Mets la main. Il y a des gens qui vont ressentir des décharges. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas. Rassure-toi que le lieu où tu es, si tu tombes, tu ne te feras pas du mal. Parce que l'onction de Dieu sera libérée. Quand je vais libérer, vous allez ressentir des décharges dans vos corps. La maladie va partir. Les malédictions vont sortir. Les blocages vont partir. Les limitations vont partir. La main de l'ennemi sera retranchée. Il deviendra manchot ce matin. Dans le nom précieux de Jésus. Mets ta main. Père, je déclare au nom précieux de Jésus. Tous ceux qui connectent leurs mains, qui touchent leur téléviseur, qui touchent leur écran, soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts, soyez prêts, s'il vous plaît. Si vous conduisez, arrêtez-vous. Si vous conduisez, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Je ne veux pas causer des accidents. Arrêtez-vous. Mets la main sur ton téléphone, met la main, met la main. Pense au domaine où tu veux que Dieu intervienne. Pense au domaine. Si c'est le domaine sentimental, dis dans ton cœur, Seigneur, c'est ton jour, je la dirige dans le domaine sentimental. Si c'est tes affaires, dis Seigneur, je dirige dans mes affaires. Si c'est le voyage, dis Seigneur, je dirige cette onction dans le voyage, etc. Quel est le domaine de ta vie où tu veux que cette onction aille frapper? Pense à ce domaine au nom de Jésus. Je trempe encore ma main dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Et tu touches ton écran. Au nom précieux de Jésus de Nazareth. Père, je déclare et je prophétise que ton onction les touche. Je libère l'onction. Recevez l'onction de délivrance. Reçois l'onction qui brise le joke. Reçois l'onçon qui brise l'esclavage dans ta vie. Et l'esclavage est brisé de ta vie immédiatement. Dans le nom souverain de Jésus. Comme ma main touche ta main, reçois la délivrance. Reçois la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Jésus-Christ. La puissance de Jésus-Christ. Je la libère. Je la libère. Je la libère. Je la libère. Reçois au nom de Jésus. Sors de cette prison, sors de cette prison, sors de cette prison, sors de cette prison, sors de cette prison. Sortez au nom puissant de Jésus. Dans le plan sentimental, je déclare avant la fin de ce mois un miracle dans ta vie, dans tes finances. Un miracle dans tes finances avant la fin de ce mois. Partout tes dossiers ont été bloqués. Je déclare et je prophétise par ce service au lavement demain, demain. On t'appelle, on t'appelle, on t'appelle. Tiens ton téléphone, on t'appelle. S'il te plaît, touche ton téléphone, prends ton téléphone prenons nos téléphones, prends ton téléphone, prends ton téléphone comme ça, prends ton téléphone, tiens-le comme ça. Je prophétise au nom précieux de Jésus de Nazareth. Ton téléphone, ton numéro, je le connecte à des grandes connexions. Je le connecte à des grands appels, à des appels qui changeront ta vie, à des appels qui changeront ta vie. Quel que soit le lieu où ton dossier a été fermé, embrigadé, en empaqueté, en je déclare au nom de Jésus qu'on t'appellera, on t'appellera. Ton téléphone sonnera pour une bonne nouvelle. Pour le mariage, ton téléphone sonnera. Ton docteur t'appellera et il te déclarera une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, une bonne nouvelle, une bonne nouvelle. À cause de cette prière au nom puissant de Jésus. Je déconnecte ton téléphone de mauvaises connexions. On t'appellera pour signer des contrats. Homme d'affaires, femme d'affaires, tiens ton téléphone à main. Je vous en prie, l'Esprit de Dieu est chez moi. Tiens ton téléphone en main, j'ai envie de. Je sais pas, je veux mettre de debout faire quoi. Tiens ton téléphone en main. Tiens le téléphone. Montez-moi votre téléphone. Tenez le téléphone. Si tu suis avec ton téléphone, tiens-le avec deux mains. Tiens-le comme ça. L'Esprit du Seigneur sur moi. Si vous croyez au prophète, vous croyez en la puissance de la parole de l'Éternel, dans la bouche de ses serviteurs, les prophètes, la Bible dit, car je vais sur la parole de mes serviteurs, les prophètes, pour l'exécuter. Je commence par ceux de la diaspora. Vous tous qui n'avez pas de papiers, je prophétise au nom de Jésus. Ton téléphone sonnera. Tu recevras un message dans ton téléphone au nom souverain de Jésus. Au nom souverain de Jésus. Quel que soit l'endroit où on a caché ta vie, on a caché ton dossier, on avait oublié ton dossier. Je rappelle ton dossier à la mémoire de celui qui a oublié ton dossier et j'ordonne qu'il t'appelle. J'ordonne que ton téléphone sonne. On te sonne, on sonnera ton téléphone. Il sonnera. Tu iras signer ton papier. Tu iras signer ta nationalité. Tu iras signer quel est le papier que tu veux. Dis-moi ce que tu veux, tu attends quoi Mes amis, c'est le matin des miracles. Tu attends quoi Tu attends quoi le, le, Comment on appelle ça de résident là C'est quoi le résident Qui attend ça de résident Au nom de Jésus. Tous ceux qui attendent, comment vous appelez ça La, la carte de résidence De résidence, c'est ça, je crois. Hein? Tous ceux qui attendent le carte de résident, quel que soit leur pays, Seigneur, je déclare qu'ils la reçoivent. Je vous la donne au nom de Jésus. Je vous la donne au nom de Jésus. Reçois ta carte de résident. Reçois ta carte de résident, reçois ta nationalité au nom puissant et souverain de Jésus. Père, que tes anges aillent dans toutes les nations d'Europe, dans toutes les nations d'Asie, dans toutes les nations d'Asie mineure, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, dans toutes les nations où tes enfants attendent, les cartes de résident attendent la nationalité. Connectez quelqu'un qui est en difficulté, qui attend la nationalité. Je veux prier au nom de Jésus de Nazareth. Que ta nationalité te soit donnée. Quand Contre la signe. Même si on a refusé. Même si tu es sous menace d'expulsion, on a dit que tu vas rentrer en Afrique. Ton nom est même déjà en immigration. On a décidé que tu vas retourner en Afrique au nom de Jésus de Nazareth. Connecte-toi. Connecte-toi. Touche ton téléphone. Envoie de dire le lien à quelqu'un. Je veux prophétiser que tu ne retourneras pas. J'annule ça au nom de Jésus. J'annule son ton retour en Afrique au nom puissant et souverain de Jésus de Nazareth. Je déclare et je prophétise que tu restes là-bas et tu prospères. Tu ne seras pas esclave, mais tu seras prince et princesse de Jésus-Christ où tu es. Au nom de Jésus. Je veux prier pour tous ceux qui attendent un voyage, qui veulent voyager. Il y a des difficultés. Tiens ton téléphone en main. Je déclare que la porte de l'ambassade soit ouverte. Même si on t'avait refusé déjà le visa, après cette prière, allez refaire la demande de visa. Et vous saurez qu'il y a des prophètes dans cette nation, qu'il y a des prophètes dans cette génération. Je me joins à toi dans la prière et je déclare que le visa te soit donné au nom de Jésus. Que le visa te soit donné au nom de Jésus. Que le visa te soit donné au nom de Jésus-Christ. Recevez le visa dans le nom précieux et souverain de Jésus. Que la porte de l'ambassade te soit ouverte. Pour toi et tes enfants, toi qui veux faire voyager l'enfant, je prie au nom de Jésus, la faveur sur toi, la faveur. Les nations appartiennent à notre Dieu et il est inadmissible qu'une porte d'une nation te soit fermée. J'ouvre les portes des nations devant vous en tant qu'ambassadeur de Christ au nom précieux de Jésus de Nazareth. Domaine marital, je déclare, la carte de résidence, Amen. Je déclare au nom de Jésus, ton mariage est libéré. Toute opposition à ton mariage, je la brise, je la brise, je la brise, je la brise au nom précieux de Jésus. Ton téléphone sonnera, la préfecture t'appellera pour te dire, OK, nous sommes d'accord ou l'ambassade, on te donnera le papier qu'il te faut pour ton mariage dans le nom précieux et souverain de Jésus. Je prie que ton téléphone soit un point de bénédiction pour toi et non un point d'affliction dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, tout appel que nous attendons, un appel glorieux. Qui a été retenu dans le monde spirituel. Je libère cet appel. Je libère cet appel. Je libère cet appel. Dans le nom souverain de Jésus de Nazareth. Mon Père et mon Seigneur, merci parce que tu m'as exaucé. Merci parce que des miracles puissants sont en train de se passer au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Il y a des miracles qui se passent. Dieu est en train de se manifester. Avant le coucher du soleil aujourd'hui, la gloire de Dieu se manifestera. Beaucoup de gens recevront des appels. Beaucoup de gens recevront des connexions spirituelles. Dieu te connectera à quelqu'un. Et par cette personne, Dieu changera ta vie. Dans le nom souverain de Jésus de Nazareth. Toute maladie dans ton corps est brisée. Au oh, nom puissant et souverain de Jésus Christ de Nazareth. Mon Père et mon Seigneur, je te rends grâce parce que ta gloire s'est révélée. Béni soit ton nom au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé. J'ai dit ceci. Tous les arnaqueurs là, vous voyez, sur Facebook et Canet Ferdinand, les profils Facebook et Canet Ferdinand, qui vous demandent l'argent, ce n'est pas moi. Faites attention, je ne demande l'argent à personne. Je le répète, et s'il vous plaît, passez l'annonce sur vos pages de Facebook. Dites que toutes ces pages qui demandent l'argent aux gens ou vendent l'huile de faveur, etc., ce ne sont pas, c'est ce pas le prophète de Canet Ferdinand, c'est des arnaqueurs. Je demande l'argent à personne. Je ne vends rien à personne sur Facebook. C'est des arnaqueurs. Donc, méfiez-vous, s'il vous plaît. Soyons prudents, passons l'annonce autour de nous. Soyez vigilants. Il y a beaucoup de comptes Facebook. Prophète, Ferdinand, y a Ce C'est pas moi. J'ai un seul compte. C'est celui-ci. Abonnez-vous à cette page. Et signalez toutes ces pages, je vous en prie. Toutes ces pages-là. Donc, méfiez-vous. Que Dieu bénisse. Ce soir, je vais t'inviter à te connecter à un grand direct. À partir de 17h. Bien-aimé, je t'en supplie. Quel que soit ce que tu fais. Ce soir, sois connecté à partir de 17h. Brisez les malédictions des citaines crévassées. Passez de la honte à la gloire. De la honte à la gloire. Tu crois en ça. Tu crois que Dieu m'a mandaté pour sortir ta vie de la honte à la gloire? S'il te plaît, sois connecté ce soir à partir de 17h. Et la main de Dieu se manifestera. Berthois, je suis avec vous dimanche à partir de 7h30 en chaîne SET mokolo Ng Et lundi, prison centrale de Berthois à partir de 8h. Je vais étendre ma main. J'étends ma main vers toi. La grâce est sur toi, la grâce est sur toi. La malchance quitte ta vie, la malchance quitte ta vie, l'échec quitte ta vie, les limitations quittent ta vie, les pleurs quittent ta vie, la déception quitte ta vie. Au nom de Jésus, tous ceux qui sont dans les prisons de sorcellerie, je brise les portes de ces prisons. Je prophétise que tu sors, tes enfants sortent, sortent de ta prison, tes enfants sortent de leur prison. Je prophétise que... Personne ne sera plus grand que toi dans ta famille. Je déclare que tes enfants seront grands. Aucun d'eux ne sera esclave. Aucun d'eux ne souffrira de mendicité. Dans le nom souverain de Jésus, toute pratique de sorcellerie qui a été faite contre toi, contre ta vie, quel que soit le pays où tu te trouves, dans l'union de prière, je te rassure que le Seigneur vient de briser cette malédiction au nom souverain de Jésus. Tes ennemis ont perdu la main sur ta vie. Aujourd'hui, tu peux te réjouir. Après ce direct, prépare un bon repas. Ou bien si tu n'as pas le temps, va dans un bon restaurant et mange et fête devant l'éternel cette journée déclarée, journée de fête et de libération, car c'est la journée de notre indépendance. La fin de l'esclavage a été marquée par ce direct. Que Dieu te bénisse au nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'attends tout à l'heure à partir de 17h, soit qu'on était à cette même page pour une soirée explosive dans sa gloire. Que Dieu te bénisse. I love you in Jesus' name. Amen. Ok, je vois ici Aline Moni du Faire. Il y a une soeur qui est avec nous ici tous les jours, qui est arnaqueuse. D'accord. C'est bien. Que Dieu bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.